ou sous journée gouvernement. Pays d'Haïti journée aujourd'hui en état d'urgence. Dans week-end qui était 20 21 octobre, cyclone Sandy était passé tout près pays. 5 départements de dans pays a touché gravement. L'ouest, les Nip, le sud, Grand'Anse, tout département ça a eu gros dégâts qui fait en dedans. Alors, sous constat de dégâts ça a président pays a, son excellence Michel Joseph Martelly et premier ministre pays a, son excellence Laurent Salvador Lamotte, décidé décréter en conseil des ministres état d'urgence sous tout pays a. Eh bien là, son excellence Laurent Salvador Lamotte, premier ministre pays a, te recevoir bilan des dégâts que ministre intérieur monsieur Ronsard Saint-Cyr, qui lui-même responsable territoire, responsable surveillance sous territoire, li te constaté état des dégâts. Nous à 54 morts, 21 disparus, 20 blessés. Nous gagnons jusqu'à Konya là 36 abris qui a fonctionné avec environ 5500 personnes. Je voulais souligner que 21 disparus, c'est des gens qui n'ont pas pu joindre, mais que nous pouvons identifier et que nous ne pouvons pas considérer comme des gens qui mourent. Ma voix m'a fait en passé de département. L'engrandance, nous avons 4 morts, nous avons 8 disparus, nous avons 1 blessé, nous avons 1544 maisons qui inondées, 1190 maisons qui détruites, 1908 maisons qui endommagées. Nous avons 4450 famille qui sinistrée. Commune qui plus frappe dans la grandance, c'est Dame Marie, Anzeno, Iwa, qui inondé. Ensuite, la rivière Grandance, qui vraiment frappé Chambellan et quelques endroits sur Mouron. Je souligne que en pile route endommagée, tout point est fragilisé et pratiquement toute récolte qui est en couture net détruite. Je suis en NIP. L'ANIP, nous avons 4 morts. Nous avons 11 disparus. Nous avons 991 maisons qui inondées. 1037 maisons qui détruites. 2244 maisons qui endommagées. Nous avons 4270 familles qui sinistrées. L'ANIP, c'est Baradère, Petite Rivière, Petite Rivière qui plus frappé. Hier, on a fini par rétablir réseau interne, réseau de circulation. Donc, grâce à CNE, plus ou moins aide commence à arriver sur tous les côtés dans le département. C'était dans le conseil gouvernement mercredi 31 octobre là, que le ministre Ronsard t'a présenté à la nation un bilan global de dégâts qui t'a fait en d'un pays. Le conseil gouvernement, qu'on est capable de suivre sur les zones de la TNH et plusieurs autres médias dans la capitale là, et moun à l'étranger t'a suivre le conseil gouvernement ça tout sous Martelly TV. Pendant le conseil gouvernement ça, premier ministre pays a, son excellence Laurent Salvador Lamotte, t'a demandé ministre qui t'est là, qui t'est présent, qui a même t'a fait constat de dégâts dans le secteur payo, chaque dans sa que yo yé, dans le job que y a fait. Eh bien, premier ministre pays a demandé yo, pour te déployer tout effort yo, pour te capable de venir en aide à la population. Et une bagaille qui était important, c'est que lui demandé pour que chaque ministre vienne avec deux projets prioritaires pour réaliser en dedans période d'urgence ça qui doit durer un mois. Jodi a pays nous crasé à cause d'un paquet de dégâts, à cause de catastrophes naturelles. Pays en état d'urgence. Mais qui ça veut dire état d'urgence? Qui est un pays capable de tomber en état d'urgence? Et en état d'urgence, qui devoir l'État? Qui ça exécutif là doit faire? Qui ça l'état d'urgence représente? Évidemment, c'est un État qui est en situation de catastrophe. Et il faut que le gouvernement arrive à faire face à dégâts que la catastrophe a apportés. En général, on parle de l'état d'urgence, selon la loi en Haïti, c'est la loi 15 avril 2010. Ou capable de prendre un état d'urgence, soit pour prévenir pour une catastrophe qui pral vini, ou bien leur catastrophe la fin passée, leur évaluer des gars, ou obligé qu'on y a prendre des dispositions pour protéger la population et encadrer les gens qui vivent dans le pays, une façon pour empêcher que justement catastrophe ça, pas pour te aller net. Donc c'est un état d'urgence qui a pour exactement 30 jours. Le gouvernement a demandé pour que tout le monde prenne disposition.
que pour yon coller à l'autre, une façon pour yon aider l'autre, mais le gouvernement lui-même pas une responsabilité que l'IPRAL obligé prend. Responsabilité gouvernement, c'est plusieurs niveaux. Premièrement, permettre que moun qui t'a subi des aslayo, nous avons actuellement 200 000 sinistrés, yon arrive, joindre support avec aide dans le gouvernement. Aide ça, c'est une aide à la fois morale, c'est une aide financière et c'est une aide matérielle. Deuxième question en tout, c'est permettre que nous gagnions une série de côtés qui étaient frappés, une série d'infrastructures qui étaient endommagées, une série de ponts que nous avons perdus, qu'on a assez rétabli en façon pour que ville qui coupait avec l'autre capable de reconnecter. Troisième aspect encore, c'est question aide d'urgence humanitaire. Ça veut dire bah mon yo côté pour manger, permettre pour mon yo jeune côté pour dormir et permettre tout que moun sa yo capable de manière durable sortir dans situation côté que yoyé. Mais faut connaître que pour le moment, le gouvernement haïtien gagne dans caisse les trésors publics gagne 1 milliard 500 millions de gourdes. Mais comme ça pas suffit. Le trésor public a cherché solidarité tant au niveau national qu'au niveau international. C'est ça qu'il fait appel à tout pays qui s'arrête, le groupe d'appui qui pour aider le pays d'Haïti, qui pour supporter nous, qui pour courir nous, une façon pour nous capables de mettre en place, s'arrêter un plan d'intervention rapide. Dans le décret-loi qui a gagné sur l'affaire d'état d'urgence, là, c'est 15 avril 2010 qui a corrigé la loi 9 septembre 2008. Là, il dit bien, il faut que le gouvernement relaie tous les amis qui sont capables de porter le secours, les amis qui sont dans le pays et les amis qui sont dans le pays étranger. Alors, je ne dis pas, évidemment, nous n'avons pas un pile moyen devant nous. Mais le problème, il y a un pile. Et il faut que nous arrivions à résoudre le problème. Lorsqu'il y a, par exemple, au niveau de l'infrastructure, nous avons perdu, selon le ministère Travaux publics, Transports et Communications, nous avons perdu à peu près 600 millions de dollars américains, des ponts qui allaient, des infrastructures qui sont totalement démolies. Et puis, toute ravine, toute rivière vient ensablée, il faut qu'on y ait fait des curages, et ça va coûter un pile d'argent. Lorsqu'on est dans le domaine de l'agriculture, on gagne, par exemple, près de 104 millions de dollars américains. Et si on mettait sous comme ça la question Isaac, qui était passé, 10 millions de dollars que nous avons perdu, plus période sécheresse là, qui était frappé nous en pile à hauteur de 80 millions de dollars, n'a pas parlé qu'on y a là, journée aujourd'hui, de yon katafal l'argent que nous pas gagné dans caisse. C'est ça qui fait que nous avons besoin de support des pays amis et en même temps tout, diaspora, moun qui est dans le pays, moun qui est capable de supporter l'État haïtien. L'État a fait, il faut parler. C'est que je signale que le gouvernement haïtien, depuis que Cyclone Sandy paraît son nom, Cyclone Sandy, premier ministre, il prend toute disposition en façon pour te débloquer 350 millions de goudes. Et comme ça, tes idées pour Bamounio manger, pour battre les kits de nourriture, le président, aller dans le quartier populaire, le premier ministre, première dame, tout le monde est allé, une façon pour capable courir pour tes aide d'urgence. Mais aide d'urgence, là, c'était pour une petite période courte que le tayé. Il y a des délégués, des vice-délégués, des magistrats, des députés, des élus locaux. Tout le monde était à porter bourrade paio, une façon pour que le cyclone n'a pas porté nous aller, pour que le cyclone n'a pas justement crasé le pays à net. Mais après quelques jours, là, nous avons fait évaluation, nous venons joindre qu'effectivement, nous avons perdu à peu près 90 000 hectares de terres arabes qui ont endommagé. Nous avons perdu 200 000 mètres linéaires irrigués. Ça veut dire que la situation est très, très grave et nous venons faire face tout en situation humanitaire, aux situations humanitaires difficiles. Nous avons près de 3 000 personnes qui sont encore dans des abris provisoires. Et puis, il y a une question de question sanitaire, parce que 3-4 hôpitaux ont été inondés et il y a un cyclone ça, qui vient faire que nous avons journée aujourd'hui une question de choléra pour nous bouger à les gérer. Parce que choléra, lui-même, ça qui passe, c'est que nous avons des UTT, les UTC, ça veut dire les unités de traitement de choléra, nous perdons toutes. Et journée aujourd'hui, nous avons une situation dramatique et nous peur que, par venir dans le cadre, justement, gestion du cyclone ça, des maladies, tant que paludisme, maladies typhoïdes et malaria, etc. Donc, il faut que mesures d'urgence soient adoptées. Gouvernement ça, gouvernement Martelly Lamotte là, il fait tout toute salle capable, premièrement pendant la période cyclone pour te porter réponse d'urgence, et je vous dis, avec arrêté ça, arrêté qui sortit le 30 octobre 2012, ça, qui mettait état d'urgence là, dans tout coin pays, ça va le permettre que justement, il y ait une réponse immédiate, une réponse qui durable tout, qui va le permettre que la population elle-même, elle sorti dans sa lié là. Alors, j'en saute comprendre ni là, j'en saute tendre là, ministre a dit Jean Gardi, qui c'est ministre communication dans le gouvernement Martelly Lamotte là, saute expliquer nous qui Jean, qui manière, qui le pays a tombé en état d'urgence. C'est parce que pour que l'aide arrive à la population très vite, pour que l'aide capable très effectif souterrain, eh bien, gouvernement, selon la loi, capable de déclarer état d'urgence. Mais est-ce que ça baille exécutif la droit pour le faire salver?
Est-ce que le pays en état d'urgence, gouvernement, ministre, secrétaire d'État, yo, directeur général, yo, capable de bailler n'importe quel contrat, yo pas gain compte à rendre, yo pas gain aucun rapport pour yo remettre. L'organe de article 3, article 4, article 5 et puis article 7, loi 15 avril 2010, là, il bien expliqué qui mission que l'État a pour l'accomplir. L'État n'a pas qu'à faire n'importe qui bagaille. Premièrement, c'est un état d'urgence qui est décrété pour 30 jours. Seul ça qu'a fait, c'est aller plus rapide. Et pas oublier tout, mais même dans le même article 7, loi ça, il prévoit que il y a des contrats qui passent, mais dans le respect de loi sous marché public. Yo. Mais il y a ajouté, il faut le faire de manière efficace, célère et extrêmement rapide. Parce que c'est 30 jours gagnés pour capable arriver qu'on y a là, faire différentes actions et interventions pour capable aider population, encadrer et protéger. Je signale tout que même loi li prévoit pour que gagner transparence. Et gouvernement Martelly Lamotte là, la mette transparence dans dossier ça. D'ailleurs, il pouvait déjà dans 350 millions qui étaient débloqués, il y a un rapport financier déjà fini qui est déjà préparé et il est obligé de préparer rapport financier sur gens les gérer état d'urgence là parce que il y a un côté pour le remettre. Il y a deux institutions que la loi prévoit pour que gouvernement haïtien lui-même li chita parler avec lui. Premièrement, c'est la Cour des comptes si nécessaire et obligatoirement le Parlement haïtien. Parlement dans 3 mois, il va gagner pour le braille. Tout rapport, le rapport financier pour dire qui gens ça, qui te fait dépenses exceptionnelles, pour qui ça, qui boit tes bénéficiaires et qui ça justement s'apporter en termes de résultats par rapport à problèmes qui te gagnent. Donc, ce qui veut dire que l'État haïtien n'a pas fait salver l'organe état d'urgence, lui obligé qu'on y a à respecter règles de transparence. Bon, l'autre principe encore, c'est garder au niveau de droit international, qui gens intervention ou faire par rapport à appui que l'a demandé dans mes pays étrangers. Tout ça, c'est écrit dans la Constitution, c'est écrit tout dans la loi haïtienne sous état d'urgence, là, loi 15 avril 2010, là, et c'est certainement dans l'esprit ça que Premier ministre Laurent Lamotte a travaillé et Président Martelly, lui-même tout, lui a travaillé, lui a passé des instructions très, très claires, lui a demandé pour que certainement chaque ministère intervenu dans le secteur PAL, mais dans la transparence et dans le sérieux. Le pays tombé en état d'urgence, ça fait que voisins ou yo couri intéressé pour yo capable porter aide ba ou. Et dans frappe que nous prend dans cyclone Sandy, pays sous planète là, zanmi nou yo partenaire naturel pays d'Haïti, eh bien, yo tout de suite intéressé à porter aide ba nous. Gouvernement qui ça li fait, li chita li examiner besoin yo et kounye la gouvernement ap chita avec partenaire yo pour li produire yon demande d'aide dans secteur qui pi urgent pour que nous capable recevoir aide. Et nous ka comprendre ça, secteur qui pi urgent yo, c'est nourriture pour moun capable joindre manger, c'est côté pour moun rete, ça veut dire que kay ki krasé pour moun yo capable joindre yon tente ou bien on série de abri provisoire pour moun sa yo capable rete. Et youn nan pays, youn nan zanmi nou yo depuis longtemps qui te couri pote aide ba nou tout de suite, c'était pays Venezuela qui te tout de suite te pote 2 avions manger pour peuple haïtien et l'autre bagarre encore. Nous devons profiter occasion pour nous remercier les amis vénézuéliens et peut-être annoncer nous pral gen pour parler de ça dans conseil des ministres, mais nous remercier et les amis vénézuéliens, nous remercier l'ambassadeur Lessi David qui a fait un excellent travail dans le Venezuela et n'a rappelé que il y a 2 jours nous avons recevoir premier avion militaire qui était transporté 14 tonnes de produits alimentaires qui déjà en route vers le sud-est et la Grand-Anse pour distribution via le Fonds d'assistance économique et sociale. Et pendant ma parole avec nous, là, un deuxième avion qui sont en Macaïo pour débarquer 14 tonnes de produits alimentaires.